Tout un pays retient son souffle, les yeux rivés sur le Stade de France. C'est ici que l'aventure commence. Ultime entraînement hier soir, l'ambition chevillée au corps. Sur la route du titre rêvé, les Bleus ont de jolis atouts comme Pogba et Griezmann, deux des meilleurs joueurs de la planète. À quelques heures du coup d'envoi, l'équipe de France dégage de la sérénité. Voilà, il y a l'adrénaline qui est en train de monter petit à petit. Et forcément, il y a de l'attente, mais on profite de chaque instant. Et on connaît l'importance de ce match d'ouverture. Malgré les absences de plusieurs piliers, malgré les polémiques, un immense engouement populaire entoure cette équipe. Ils étaient des centaines hier à l'arrivée des Bleus dans leur hôtel parisien. Le sélectionneur insiste sur l'importance d'un succès inaugural ce soir. Il faut commencer cette compétition et ce match avec beaucoup d'envie, de détermination, de générosité, en gardant toujours la lucidité. Euro 84, Coupe du Monde 98. Quand la France organise une grande compétition de foot, elle la gagne. Aux Bleus Génération 2016, de poursuivre l'épopée.